Chaque jour nous fait plaisir et rien que nous pas même réaliser. Et rien qui capable de nuire santé nous, qui capable faire nous pas bien dormir, qui capable même rendre nous malade assez souvent. C'est pour ça dans vidéo ça aujourd'hui, nous parlons ensemble 5 erreurs que tout le monde fait chaque jour. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur channel Sao Pat Konnen. Côté que nous baï tête nous comme objectif pour porter vidéo pour sous différents sujets, notamment des bagages que Pat Konnen que ou ta supposé connaît. Pas oublier que sous ta main toujours jeune vidéo nous et connaît plus bagages toujours. N'a pas invité pour capable abonner à channel là. Pas oublier que chaque vidéo nous lagué, si ou aimez, pas oublier like yo, partager et bien déjà nous disons merci pour support. J'aimerais annoncer dans le commencement de la vidéo, nous allons découvrir ensemble 5 erreurs que vous faites chaque jour. Peut-être que vous n'êtes pas même conscient des erreurs. Tant que, est-ce que vous connaissez que vous n'avez pas d'oublier un peu de l'eau avant de dormir? Utilisez le téléphone avant de dormir, capable d'avoir un gros problème avec le sommeil. Avec un peu de l'eau encore, que vous faites chaque jour. Première erreur que vous faites chaque jour, c'est utiliser le téléphone ou pas dans la charge. Je suis sûr que un peu parmi nous, quand on utilise le téléphone ou pas dans la charge. Même si ça répète souvent, utiliser le téléphone pendant la charge, pas bon. Pendant que le téléphone est connecté dans le courant, on peut utiliser le même moment ça. On peut commencer à chauffer tout petit. De temps en temps, si on continue à jouer, écrire message, on peut chauffer plus toujours. Et qui quand même arrive dans un moment côté que, il est obligé de la pause d'une explosion. Ça qui est plus bon, c'est de quitter le téléphone, fin de charger, après avoir utilisé le. Si pour une raison quelconque, vous avez utilisé le téléphone, par exemple, relayer un monde, il est plus bon si vous êtes chargé. Et puis, là où fini, vous pouvez mettre la charge. Il y a un autre problème qui peut arriver si vous continuez à utiliser le téléphone pendant la charge. Et fois que la fait augmenter et ça peut rendre gâté. Donc, je ne pense pas que vous voulez rester sans téléphone, pas vrai? Deuxième erreur, boire café avant de dormir. Est-ce que vous connaissez que le café est encore jusqu'à 12 heures dans ou même plus? Ça veut dire que le café ou boire le matin, après vous fin manger ou bien avant de dormir, capable de encore jusqu'à ce que vous arrivez là pour aller dormir. Et ça capable la cause ou gen gros problème sommeil. Selon une enquête que consommateurs nord-américains ont mené, ils révèlent que plusieurs manger qui fait à café, gen plus que 20 mg caféine là-dedans. Donc ça veut dire si vous mangez ça, vous êtes capable d'agir sur qualité sommeil. Toute partie qui gen caféine ou bien substance énergétique tant que thé, chocolat, boisson énergétique yo, ou pas trop de consommer produit ça avant de dormir. Si vous avez gen une bonne qualité sommeil. Si vous consommez produit ça, vous avez de consommer au moins 4 temps avant d'aller dormir. Troisième erreur, dormir après avoir fini de manger. Si nous parlons encore de dormir, il y a un autre erreur que nous souvent fait, c'est aller dormir après avoir fini de manger. Dormir après avoir fini de manger a fait l'estomac au travail toute la nuit. Ça a cause que vous sentez pas en forme et ça a même la cause que vous gonflez. Qui a un mal dormi et n'a quand même pas dormi toute la nuit là. Et titre qui sorti dans une université dans le pays de la Grèce, te jeune que moun ki rete tan pi longtemps après manger pour aller dormir gen moins chance gen yon congestion cérébrale. Ou bien ça nous relé attaque cœur. Parce que en plus que ou gen sommeil qui plus équilibré, ou réduit risque pour ta faire un attaque à l'avenir. Donc après fin manger rete tan quelques temps, j'aime dire ça avant parce que si ou gen un bon sommeil, ou peut éviter un pile problème à l'avenir. Quatrième erreur, utiliser téléphone avant de dormir. Tout appareil technologique qui émet lumière doit éviter avant de dormir aller avec. Parce que ça capable de nuire dans la façon dont tu dois dormir. Lumière que le téléphone a permis là a interféré avec mélatonine, qui est un hormone qui régularise le sommeil. Si pour une raison quelconque, tu dois utiliser le téléphone avant de coucher, je ne sais pas peut-être si tu veux écrire un monde ou bien faire un autre bagaille, ça doit faire se mettre le téléphone à environ 5 cm par rapport avec 0. Ensuite, diminuer la clarté ou bien luminosité du téléphone hein, afin que vous capable de réduire le risque de tout problème qui est capable de concerner le sommeil ou bien axio. Cinquième erreur, boire un peu de l'eau avant de coucher. Si manger un peu avant de coucher pas bon, eh bien, boire un peu de l'eau avant de coucher pas bon tout. Le corps est toujours hydraté, libre en pile pour santé. Mais lorsque vous boire un peu de l'eau avant de coucher, ça c'est une mauvaise idée. Si vous ne pouvez pas vous réveiller plusieurs fois pour dormir pour aller dans la toilette, ça vous doit faire c'est pas boire un peu de l'eau avant de dormir. Parce qu'après un moment, quand vous ne pouvez pas supporter toute l'eau, ou bien, il peut demander pour jeter de l'eau. Donc, ce qui est plus important, c'est boire plus de l'eau pendant la journée et puis boire moins de l'eau avant de dormir. Pas oublier que vous devez boire 2 litres de l'eau chaque 2 heures dans la journée. Nous sommes ensemble 5 erreurs que vous faites chaque jour. Je vous demande si l'autre erreur que vous avez présent dans la vidéo et que vous ne pouvez pas mentionner dans les commentaires pour nous.
Et en plus de ça, si vous avez aimé la vidéo, likez-le. Si vous pouvez abonner à la chaîne, je vous demande de faire ça couler à même. Parce que sur la chaîne, ça va vous donner tout ça au pas de connaître. Et déjà, nous disons à bientôt dans une autre vidéo encore.